avec la présence de cette représentation de l'Orchestre Philharmonique de Nice ce soir, la dimension culturelle de cette place n'est plus à démontrer. En tout cas, merci parce que vous avez été extrêmement nombreux, près de 500, à vous inscrire pour pouvoir accéder à cette soirée de concert avec de très belles partitions et de très belles interprétations à laquelle vous allez pouvoir assister. Je crois que ce sera un très beau rendez-vous lyrique. Merci à tous nos musiciens qui font le rayonnement de l'Orchestre de Nice depuis 70 ans, puisque aujourd'hui nous fêtons le 70e anniversaire de la création de l'Orchestre Philharmonique de Nice. C'est une grande fierté pour nous, en même temps que nous célébrons cet anniversaire, de pouvoir lui permettre de jouer ce soir à Saint-Roch, il y a quelques semaines de cela sur le parvis de la gare du Sud. Et puis dimanche soir, ce sera au monastère de Cimié. En tout cas, merci pour l'accueil que vous leur réservez ici dans ce quartier traditionnel de Saint-Roch. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. De l'Opéra de Nice, un ensemble qui n'est composé que de cuivres et de percussions, c'est-à-dire des trompettes, des trombones, des cors et des tubas, plus une batterie et des vibraphones et percussions variées. Le répertoire, c'est un répertoire basé sur la musique de film et sur des standards de jazz. C'est un répertoire qui est accessible à tout le monde à partir des petits enfants, parce qu'on joue des musiques des animés jusqu'aux plus anciens. Je me suis occupé aussi d'une partie des arrangements, surtout de la partie entre guillemets plus moderne, ou plus jazz en tout cas. Et l'autre partie, c'est Julien Hayes, le cor solo de l'Opéra de Nice, qui s'occupait en fait d'arranger toutes les musiques de film en fait, qu'on joue dans la première partie. Donc les musiques de film arrangées pour ensemble de cuivres permettent d'apporter, notamment en plein air, parce que c'est quand même plus facile de déplacer 20 musiciens qu'un orchestre symphonique pour lesquels elles sont à la base écrites. On a pu les jouer avec l'orchestre au CEPA Classique l'année dernière, les années précédentes. Donc ce sont des formations qui sont assez énormes, parce que ça a peut-être plus de 100 musiciens, percussions. Et donc là, on a par notre formation, qui se compose donc des cuivres que Marco a expliqué tout à l'heure, de pouvoir jouer cette musique-là, qui est effectivement une musique qui parle peut-être plus facilement à un public plus large qu'un programme symphonique, lyrique, et permet d'approcher quand même la musique classique, parce que la musique de film reste de la musique classique à part entière.